Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce match de demi-finale des grands duels de la LNI. Le plus excitant tournoi d'improvisation jamais réalisé à ce jour. Dans cette formule simple élimination des plus cruelles, 16 virtuoses de l'improvisation s'entre-déchirent dans cette patinoire dans le but d'obtenir le titre inestimable de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir, d'abord en rouge, après avoir battu Réal Bélan en première ronde, elle a eu le dessus en quart de finale sur Simon Boudreau, premier joueur au classement national et tête de série numéro 1 dans ce tournoi. Une joueuse exceptionnelle, notre tête de série numéro 3 qui a fait tomber la tête de série numéro 1, Sophie Caron! Après avoir vaincu Emmanuel Bilodeau en première ronde, elle a vaincu Jean-François Nadeau dans un match de quart de finale chaudement disputé. Elle jouera ce soir accompagnée de son futur enfant, Salomé Corbeau. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, un homme au jugement sans faille, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Passer au vert ». C'est vraiment dégueulasse, le compost. Il y a des limaces. C'est normal. C'est bon qu'il y ait des limaces dans le compost. S'il n'y en avait pas, ça ne sera pas du bon compost. Faut qu'il fasse de l'air. Là, l'air, ça fait du compost. OK, C'est ça que j'ai compris, du compost. C'est dégueulasse, pareil. Ouais. La chèvre, elle s'est sauvée, man. Tu voulais qu'on fasse du savon? Avec... Ouais. Hein? Tu voulais qu'on fasse du savon, là? La chèvre, j'y ai mis une clôture tout le tour. Mais ça passe en dessous, ça, ces bébêtes-là. Que. Plus haut, man. Ouais, on pourrait faire du savon avec d'autres choses. Mais de bon, tu sais, du savon de compost. Ouais, du savon de limace, man! Moi, je me dis, savon compost, ça va être bon pour les chasseurs. C'est vrai, ça. Avant de partir, man! Dans un sens, tu sais, tu sens le terreau, tu sens le terroir, chevreuil te voit pas venir. T'as des limaces collées sur toi, le poisson, il a faim! Ouais! Tu sais? Ah, c'est bon, il y en a pas de problème. Ouais. La chèvre, elle va revenir parce qu'elle se sentait chez eux ici. Tu penses? Ah oui, c'est sûr. C'est ça qu'elle a mangé ton litre. Hey, une autre histoire, une autre ben affaire. Non, là, hey. Si je l'ai rentré à m'amener, j'aurais pas dû. Ben oui, tu sais, depuis que je dors dans un lit de paille. Tu le veux à quoi, ton milkshake? Au millet? Ou... Alors, je vais le prendre à l'épautre. À l'épaule? Hey, je me sens épaule à matin. Camus, épaule, puis lait de brebis? C'est bon, ça, des auteurs qui m'intéressent. Pendant ce temps-là, tu peux peut-être essayer de distiller du compost, faire un savon puis un après-shampoing. Je vais le brosser jusqu'à temps qu'il devienne en pain. Hey, on est-tu bien depuis qu'on est en osmose avec l'environnement, hein? Ouais. Colin! Moi, je sais pas toi, mais j'ai bien moins de problèmes de peau. C'est vrai? Ah ouais. Ben, coudonc. Oh, c'est un smoothie, hein? Ouais, c'est smoothie. Il y a le bout de smooth puis le bout de tea. C'est le bon d'appeler ça de la colle. Hein, on pourrait faire un produit dérivé avec ça. Ben, mes dentiers bougeront plus. Hey, ça, c'est pas écolo, des dentiers, enlève-les. Ah c'est non, fait c'est... en résine de synthèse, ça. Ben c'est non. Un produit du pétrole. Enlève-les tout de suite. Je les ai faites en gomme de sapin. Gars, hein. Ça sent Noël, hein?
S'il vous plaît, sur cette improvisation, à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Caron. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière d'une ballade pop ou d'un folk, et qui a pour titre « Faute avouée ». Alors, suite à un tirage au sort d'avant-match, le joueur numéro 3, Corbeau, a hérité du premier choix. Corbeau. Corbeau. Corbeau, ballade pop. Ballade pop ou folk? Ballade pop. Corbeau, ballade pop. La traque de chemin de fer par un jour de pluie, je lui ai tout dit, tout avoué. Faut avouer à moitié, pardonner. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il m'a mis dehors un jour de pluie. Et je marche à trac, et je m'ennuie de lui. C'était juste son frère, un soir de boisson. Tous les deux, on chantait la même chanson. On s'est oublié, on s'est embrassé. J'ai avoué, je marche tout seul. Ça traque de chemin de fer, de reculons. Le train s'en vient. J'ai mon Walkman et je pleure trop. Je l'entends pas qui freine. Faut avouer, pas pardonner. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens comme quand j'ai bu ma première bière. Je me suis retrouvée toute seule avec ma petite feuille. Vas-tu me pardonner, René? Parce que j'ai pas voté pour toi. Je me suis laissé prendre comme un appât. J'ai pas voté Parti québécois. Puis je m'en veux parce que le Québec est sale à cause de moi. Le Québec est sale à cause de moi. Mais qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, sur cette comparée, chantez votre vote. Point Caron. Avant la
pause. D'abord une mixte au cours de laquelle les joueuses semblaient chercher la situation, des beaux personnages, un beau portrait, deux filles qui passent au vert, mais on semblait tourner autour de la situation quand même, on s'en est bien sorti. On s'est très bien repris avec les comparés chantés, deux très belles chantées. Sophie Caron qui nous prouve une fois de plus que c'est une spécialiste de cette catégorie. Et Salomé Corbeau qui nous fait une très belle chantée, très bien construite avec ce personnage qui marche au suicide. Sophie Caron mène 2-0, mesdames et messieurs. On retourne au match. Une mixte pour 4 minutes libre et qui a pour titre Sous le bistouri. J'ai dit oui. Je te le donne, mon rein. T'es sûre? Oui. Ben, il va t'en rester un autre. Mais oui. Puis comme toi, les deux sont scrap, je gagne. Je peux-tu être là quand ils vont te l'enlever? Non, toi, tu vas être dans l'autre pièce à l'attendre, niaiseuse. Ben, ils font ça quasiment en même temps. Mais oui, sinon le rein, tu sais, il sèche, puis... puis bon... Ils peuvent pas le tremper dans l'eau, là. C'est pas comme... Non. C'est pas comme des bines. Non, tu sais, les affaires qu'on mettait quand on était jeunes, là, qui grossissaient. Ouais. Non. Ben, c'est cool, là. Je veux dire, ça me fait pas peur. Ben, l'affaire de l'anesthésie générale, que je trosse pas trop, là. Ben, dis pas. Non. T'inquiète pas. Je pense pas partout. Tu peux... Toi, je dis... Moi, quand ça m'arrive, là... Ouais. Je pense à l'affaire qui me fait le plus du bien. Ben, je pense à toi. Moi, je vais rire. Là, je m'endors. Si c'est ça, je vais rire. Je vais penser à toi qui essaie de gauler au hockey. C'est drôle, hein, Chris? Ah oui, mais tu sais, t'essaieras de gauler avec une dialyse. Tu sais... Ben, en tout cas, tu pourras essayer, là. Ouais, c'est ça. On jouera une contre l'autre, ça va être plus juste. Ouais, ça va être fini, là, les cadeaux plus gros pour ta sœur, parce qu'on sait pas combien de temps, puis... Parce que c'est super le fun de vivre avec une sœur qui est malade, mais... À un moment donné, là, tu sais, c'est la tension. Parents. Même mes chums, ouais, on devrait aller voir ta sœur à l'hôpital. So, fucking what, t'as yé tout le temps à l'hôpital. On pourrait pas aller voir un film au cinéma, non? On va aller voir ma sœur à l'hôpital. Mais là, c'est moi qui vais être à l'hôpital, OK? T'es pas obligé de faire ça. En même temps, l'affaire qui me fait le plus rire dans la vie, c'est toi. Fait que, tu sais, c'est toi qui es la plus drôle parce que t'es somnambule la nuit puis que tu te fais un sandwich mayonnaise. Confiture à rhubarbe. C'est toi l'affaire la plus le fun dans ma vie. Moi, je suis prête à mourir. J'ai accepté, ça fait longtemps. Mais pas moi. Je t'ai fait des DVD de toutes mes bloopers. C'est bien nice. T'es pas obligée de faire ça, tu sais. À qui je vais te donner? Je vais mourir en paix, je vais m'en aller, là. Non. Je vais le deal, c'est pas ça. Le deal, c'est qu'à partir de maintenant, on est deux sœurs en santé. Il y en a une qui est comique parce qu'elle est somnambule, puis l'autre est plus grande. Puis c'est juste ça qui nous différencie. OK? Je peux pas accepter ton rêve. Hey, j'en ai un autre! On est AB+, toutes les deux, c'est un miracle. On va pas passer à côté de ça, là. Moi, je refuse de te mettre dans une boîte en carton, en bois, n'importe quoi, d'aller répandre tes cendres dans le parc où on jouait quand on était petite. Bon. Je le sais dans quoi tu t'embarques. Moi. Toi. Tu le sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais moi, ma vie sans je toi, c'est non. Je veux pas que tu t'embarques là-dedans. J'en ai pour 2 semaines. Ça va te poursuivre toute ta vie. Va t'en manquer un des reins. On a besoin de 2 dans la vie. On peut pas fonctionner juste avec un rein. Oui, moi, j'ai accepté que j'allais mourir. Puis je veux pas que tu fasses ça. OK, le jour où tu meurs, je meurs. Dire? Avec mes 2 reins, bien en santé. Tu me fais chier! Toi aussi! S'il vous plaît, d'une façon claire, précise, en même temps, votre vote.
point corbeau. Une mixte pour 2 minutes à la manière de Luc Plamondon. Et qui a pour titre Urgence. Il fait noir dans les villes. Il fait noir dans Urgence City. Nous sommes là à l'an 2000. Moi et Suzy. Il y a du brouillard sur la ville. Ce soir, tout va changer. Ce soir, on va s'envoler. Si bien habillé dans notre costume de peau. À demi nu, sous un pont, pas très éclairé. On va s'envoler là-haut. Au-dessus de Urgence City. Au-dessus de Urgence City. Urgence City. Le poison rentre dans mes veines. Magali, j'ai oublié son visage à ce connard qui veut rien savoir de moi parce qu'il est gay. Quand tu parles comme ça, ça me fait de la peine. Suzy, ça nous sort de notre quotidien, non? J'aimerais que ta douleur soit mienne. Parce que toi, tu vis ici, dans Urgence City. Urgence City. Urgence City. Je me suis envolée trop, beaucoup trop. Trop dans Urgence City. Retiens-moi, Magali. Oh, dans le ciel d'Urgence City. Et sur l'improvisation, votre vote, s'il vous plaît. Point Caron. Eh bien, on a vécu des émotions juste avant la pause. Je dois vous avouer que j'ai versé une petite larme devant cette proposition très forte de la joueuse Corbeau, une fille qui offre son rein à sa sœur. Et c'est toute la beauté de ce jeu-là. Oui, c'est souvent drôle, c'est souvent spectaculaire, mais ça peut aussi être très, très, très touchant. Et après ça, les deux joueuses qui déambulent dans les rues d'Urgence City, ça va très bien. Sophie Caron est toujours en avance. Elle mène la partie 3-1. On retourne au match. On est en demi-finale. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Rénovation ». Caron. Caron! Caron! J'en veux pas plus d'idées dans 30 secondes. OK. Les fenêtres sont placées. C'est extraordinaire. Wow! Le toit est placé. C'est extraordinaire. La cheminée est placée. C'est extraordinaire. Quand il va y avoir des murs... Ouais, fait que c'est ça. Là, j'ai dit, je veux 2 designers, un gars et une fille, pour qu'ils se complètent.
Ah, il était super bon. Le gars, il était beau, là, mais il était clairement gay. Puis, ben, tous les designers sont gays, je pense. Mais je sais pas, je pensais que c'était un prérequis. En tout cas, fait que là, je suis arrivée là, on s'est super bien entendus, ils m'ont montré des croquis, j'ai choisi la couleur, ben, la couleur, là, puis la couleur en accent, là, tu sais, faut comme toujours une couleur en accent. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai hâte qu'ils enlèvent les bandages. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Caron. Une mixte pour 4 minutes 30 secondes, à la manière des contes des mille et une nuits, et qui a pour titre « Ça sent la poudre ». Oui, maîtresse. Oui, maîtresse. Il y a une odeur. Oui, maîtresse. Safran. Oui. Curcuma. Oui. Quelle est cette odeur? Tu as volé dans la cuisine? Non, maîtresse. Je n'ai pas volé dans la cuisine. Je n'ai rien pris. Je ne saurais prendre quelque chose qui vous appartient, madame. Ramon. Hardness, harde, harde. Maîtresse. Tu violes. Non, tu non, voles. Non, je ne viole pas. Je jure que non. Parfois, mes fantasmes passent 10h30 sortent malgré moi. Que Allah me saute dessus si je viole, je ne vole Farida. Pas. Farida, tu as volé une fiole de safran et de curcuma. Est-ce que tu as besoin? Tu peux demander. J'ai toujours été très, très compréhensive avec mes suivantes. J'y ai toujours tenu à ce qu'elles soient en bonne santé et pas battues par leur mari. Oui. C'est mon dernier enfant, madame. C'est qu'il est très malade, madame. Et c'est qu'il a besoin de safran, madame. Ah oui, un enfant qu'on soigne au safran au curcuma. Tu m'es prêt pour qui? Tu crois que je suis née de la dernière pluie? Oh non, je ne crois pas que vous êtes née de la dernière pluie. D'accord, madame, je vais vous le dire. C'est que l'autre jour, j'ai eu apparition dans mon rêve. Le grand prophète m'a parlé. Et le grand prophète m'a dit, si tu ne mets pas safran curcuma autour du lit de ta maîtresse, elle sera condamnée. Farija, cet enfant qui est dans mon ventre. Et qui bouge comme un éléphant. Je sais, j'ai peur. Je te le lègue. Il sera ton cadeau. Pars avec lui loin. Mais j'ai déjà 14 Je vais mourir enfants. En... J'ai... Farija, celui-là vient avec l'or, l'encens et tout. Il est simplement maudit. Je mourrai en l'enfantant. C'est écrit dans les 7 voiles au-dessus de mon lit. Le grand prophète m'avait dit que si je mettais safran, curcuma autour de votre lit, que tout allait bien se passer. La poudre, l'épice, la couleur du henné, cet enfant est maudit. C'est pour ça qu'elle bouge comme un éléphant. Farida, tu es une femme de grand cœur. Tu as les seins pleins de lait. Telle une chamelle, tu l'amèneras au bout du désert. Tu lui donneras ton lait.
Et ensuite, tu verras, le prophète reviendra. Le prophète avait dit la vérité. Il meurt d'une hémorragie. Ton hémorragie, on l'appellera la rivière rouge. S'il vous plaît, d'une façon nette, précise et en même temps, votre vote. Point, Corbeau. Je suis avec les deux joueuses, Sophie Salomé, que vous écrivez bien. Très belle improvisation, à la manière des contes de Mille et Une Nuits. Non, merci, ça va très bien, cette demi-finale. Sophie, tu m'as déjà dit que tu es une joueuse qui aime les défis, les surprises en improvisation. Dis-moi donc, comment ça... Parle-moi d'une improvisation dans laquelle il y a un défi et qu'est-ce que ça crée chez toi? Bien, les contes des Mille et Une Nuits, pour moi, c'est un défi. Puis en plus, faire un accent, moi, je pourris dans les accents. Fait que quand je fais un accent, pour moi, là, c'est un défi parce qu'il faut que je le tienne jusqu'au bout. Oui. Des fois, j'en fais 3-4 en même temps dans l'impro. Mais là, comme si la nationalité de ton personnage changeait en cours d'improvisation. Ah, écoute, il y a beaucoup d'étampes sur mon passeport. Salomé, tu es une joueuse qui aime beaucoup les mots. Je te demande, quelle est la place du silence dans les improvisations pour toi? Bien, énorme. Oui. On oublie. On a tendance à oublier. On a tendance à penser qu'un silence, c'est parce qu'on n'a pas d'idée ou que... Mais non, au contraire, il peut être très beau. On en a eu un, à un moment donné, assez furtif, mais dans l'impro du Rhin, là, où on a juste, oui. On s'est juste regardé. Non, merci beaucoup, Sophie. Merci, Salomé. Oui. Je vous laisse rejoindre la patinoire. Oui. Alors, pour cette demi-finale, on est en présence de deux joueuses qui ont une bonne expérience en tournoi individuel. Elles en sont toutes les deux à leur 5e tournoi. C'est la première fois, par contre, que Salomé joue avec une femme en tournoi comme ça, un contre un. Et ce n'est pas la moindre, Sophie Caron, qui est la 2e sur 300 au classement général de la LNI. Et d'ailleurs, elle mène le match 4-2. J'ai hâte de voir la suite. On retourne à la patinoire et notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée. Pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre 1 sur 5. Corbeau. Caron. Caron. La fin du fabuleux quiz... En 1998, choisis et gagne. Je suis au grand jeu final. Il y a 5 portes. Je dois en choisir une. Derrière une, $1 million! Derrière l'autre, rien. Derrière la troisième, un gouffre. La quatrième, des lions affamés. Et la cinquième, un poison qui se pitche dans ma face. Et je meurs sur place. Je marche de long en large en me disant que c'est qui m'a pris d'aller à cette maudite émission de marde. J'aurais pas pu aller à Charivari à place. Et non, je suis à cette émission 1998. J'ai 28 ans et j'ai peur que ma vie se termine. Parce que bien que je sois quand même un peu cute, je sais pas pourquoi, je pogne pas et je suis encore vierge. Je suis là et je me dis, bon t'as dit de mauvais choix. Je me dis, porte un. Oui, je suis seule, unique, j'ai une chance. Ça pourrait être ça. Par contre, je suis née le 2 février. Le 2 du 2. Je suis pas née en l'an 2, par exemple, là. Ben, tu sais, quand même, il y a des 2 dans mon affaire. Ça pourrait être bon. 3. Ça vaut pas de la marde. 4.
c'est le double de 2. Je suis née le 2 du 2. 2 plus 2, 4. 5. Comme mes mains. Ma main, mes. Il y en a 5 dans chaque main. Je suis toute mêlée. J'ouvre une porte. Et barrée. À cet instant précis, entre Vladivostok et une ville encore plus obscure du fin fond de la Sibérie, mon doigt, la gâchette, un barillet créé par le KGB, 5 trous uniquement, une balle. Je roule le barillet. Boris me regarde, Igor aussi. La moustache d'Igor frétille de plaisir. La vodka est déjà prête, 3 verres uniquement. Le mien, au cas. Je me rappelle ce petit matin où ma mère et moi nous allions voir notre grand-mère, une moudjik, une femme formidable qui vit dans les contrées lointaines de la Russie, qui cultive patate sur patate sur patate sur patate, mais avec tellement d'amour. Et on danse les dimanches. Et il me revoit, étudiante à Moscou, la jupe plus courte, qu'est-ce qui est possible d'être, sinon c'est un bandeau, je ne sais pas. Et je suis là, et j'écoute toute l'histoire de Staline, de Lénine. Et moi aussi, je voudrais vouloir devenir une révolutionnaire, et je m'engage comme espionne. Et je me rappelle de cet Américain. Blond, aux yeux bleus, avec un tatou de GI sur l'épaule. Je me rappelle l'avoir amené dans mon lit, une nuit chaude, ensablée. Nous étions dans le fin fond du Kazakhstan, et je lui tire toutes les informations, et je rentre à Moscou, et je suis couverte de médailles. Et la moustache qui frétille. Et là, il me rappelle ce matin où je n'avais pas des souliers pour aller à l'école. Drôle d'idée, pourtant c'est décembre. Et je me rappelle de ma mère qui dit « Ah, Olga, j'aurais dû t'appeler Natacha, tu serais plus belle et moins conne !» Et il me rappelle cette fois où le GI est mort dans mes bras parce que j'ai abusé. J'ai serré trop fort. Et il me rappelle aussi ce matin-là où je n'ai pas aidé l'enfant à traverser la rue parce que j'étais trop préoccupée par ma remise de médaille. Il me rappelle tous mes faits d'armes, quels beaux gestes j'ai posés dans ma vie, et la moustache qui frétille, et mon verre de vodka déjà prêt, et la gâchette. Une sur 5, la mienne. Cette improvisation, comparez votre vote. Point Corbeau. Avant la pause, à deux improvisations comparées très bien ficelées. Je souligne particulièrement le travail de Salomé Corbeau dans cette improvisation qui réutilise l'élément de la roulette russe de très belle façon. Elle nous fait voyager dans la vie de son personnage. C'était très habile de sa part. On vous montre en ce moment le trophée pour lequel les joueurs et les joueuses se battent, le trophée des grands duels de la LNI. Et évidemment, les joueuses et les joueurs se battent aussi pour le titre de meilleur improvisateur au Québec. Salomé, eh bien, elle a fait un point, se rapproche. C'est maintenant 4-3 pour Sophie Caron qui va gagner ce match. On va savoir dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « De bonne humeur ». Belle journée qui commence! Et toi qui le dis? J'ai mangé des pissenlits à l'huile. À cause ça met de bonne humeur, ma mère l'a dit. Ouais, c'est toi qui le dis. Ouais, ma tante Ginette, t'es bien de mauvaise humeur. Pas de mauvaise humeur? Quoi? Pas sur mon plancher, s'il te plaît, je viens de le tirer. Pourrais mettre des pantoufles à ton mari?
Oh, ça, tu peux bien mettre dans son pantoufle, moi, dire des affaires. Je peux bien y en mettre des affaires parce que moi, il m'en met pourquoi des affaires. Pourquoi tu divorces pas? T'es jamais de mauvaise humeur. T'as jamais de tendresse. Personne t'aime, à part moi. Puis moi, l'année prochaine. Je vais dire, là, je t'ai pas choisi, s'il vous plaît, parce que j'aurais peut-être. Tu m'énerves! Tu viens ici pour m'écœurer, tu viens tout le temps avec ta maudite bonne humeur, ton maudit bonheur, puis tes maudites affaires. Veux-tu même me laisser tranquille dans mon pas bon? Mon pourri? On fait un aspic, ça va te remonter le moral. On fait du jello de toutes les couleurs, come on! Arrête de te plaindre. Ton mari, là, laisse-les, va-t'en. Déménage à Fort Lauderdale comme toutes tes sœurs. Moi, l'année prochaine, j'étais en maternelle. Oublie-moi, je serai pas là. Hey, ton beau jello brun, t'es-tu contente? Ah, mais faut pas mélanger les couleurs à Mandelmint. Toi, t'es vraiment niaiseuse. Même moi, j'y aurais pensé. Si on veut que ce soit de toutes les couleurs, faut le faire figer pour que ce soit de toutes les couleurs. Sinon, il est brun, c'est comme la peinture, allô? Oui, là, ouais. Quand j'étais petite, là, j'étais comme toi. J'étais de bonne humeur tout le temps. Puis là, à un moment donné, je me suis fait marier obligé. Puis là, je me suis fait battre. Puis là, ben, je me suis fait, tu sais, violer un peu. Puis là, je suis devenue comme un peu aigrie parce que le seul enfant de lequel je suis daigné tomber enceinte, il est mort à naissance. Pas vrai? Puis, oui, c'est vrai. Non. Arrête de dire non. Il y avait deux jours. On a dit ça pour t'épargner. Il n'y avait pas deux jours. Puis en plus... Je vais le boire, mon jumeau. C'est à ton jumeau. Attends, comment ça se peut? Il est mort pour te laisser passer. Puis moi, j'étais tellement en Saint-Cybol que je t'ai donné à ma sœur. Puis là, tu viens m'écœurer à tous les jours de ma vie que t'as assassiné mon autre enfant. Fait que viens pas me dire d'être de bonne humeur, OK? Puis vas-y à ton hostie maternelle que je te vois plus jamais en face. Hey! Wow! J'ai ton rayon de soleil, puis tu le sais. Réponds pas à ta mère! Et d'une façon claire et précise, votre vote! Point Corbeau! À ce stade-ci du match, le score étant égal, nous allons jouer une dernière improvisation. Nous sommes en prolongation. Une mixte pour 3 minutes, libre et qui a pour titre « Peu d'expérience ». Je ferme ou je ferme pas? Je sais pas si tu fermes ou tu fermes pas. C'est la première fois que je viens ici. Ah oui, toi aussi? Ah oui, c'est ça, vraiment la première fois que je viens ici. Je ne sais même pas si je suis à la bonne place. Ah moi non plus, c'est vachement dur de trouver. Ah oui, c'était... Mais c'est comme ça. La péniche grise, il y en a combien des putains de péniches grises? Je sais pas, mais j'en ai essayé 10. Et puis à la fin, je me suis dit, oh ben merde, je vais entrer dans une. Bah, je ferme, hein. Bon, c'est pas mieux vaut. Enfin, j'en ai rien à foutre. Ouais, ferme. Ça va? Ouais. Bon, d'accord, je ferme, hein. Moi, c'est Corinne. Salut, moi, c'est Delphine. Eh bien, c'est In. Ouais, c'est In. Ah ouais, comme... ouais. Mais tu vois, comme la chanson de Gainsbourg. Ah non, moi, je connais juste « Je viens et je vais » entre terrain. Ben, c'est celle-là, c'est « In and out ». Ah ouais, mais en anglais. Ça va être Joe Dassin qui l'a traduit, il a tout traduit. Bon, alors, tu sais comment on fait, toi? J'imagine que le pain est là. Ouais, moi, parce que ça ressemble vachement à du pain. T'as raison, moi, je crois que j'ai un gros jambon de Bayonne ici. Pardon? Un jambon de Bayonne. Un jambon de Baki? De Bayonne.
Bah, je sais pas, Saint-Jean. Mais quelle Bayonne? La Bayonne de bah, Saint-Cyril? La Bayonne du jambon, connasse! Excuse-moi, je me trompais avec la baronne. Ah ouais? Bon, alors t'as du pain, j'ai du jambon. Avec un peu de chance, il y a du beurre et des cornichons. Tu aurais vu? S'il y avait eu une baronne, j'aurais fait un sandwich avec. Il y a une chanson, ah, Lady? Le sandwich de la baronne, oui, c'est Georges Brassens. Ah ouais. Le sandwich de la baronne, oui. Lui, il m'énerve. J'aime pas les mecs qui fument des pipes. Non, mais c'est vrai, ça. Quand on les embrasse, ça a un goût de vieux. Ah oui, et puis en plus, il avait tout dans la moustache. Ouais, ouais. Hein. Il avait tout dans la moustache. Comme il avait tout. Jean Ferrat et Moustaki, mais c'est des vieux nuls, je déteste. Ah ben bon, moi, alors, je sais même pas c'est qui Moustaki, c'est pas une petite trompette là pour. Ah non, tu confonds avec Tadziki, toi. Ah voilà, voilà. Bon, alors le beurre et cornichon, je sais pas trop, moi. Pardon? Bah, je sais pas, enfin, on est en France, quoi. Jambon, beurre, cornichon, pain, baguette, je sais pas. Et voilà! Ah bah ouais, bonsoir. Baguette parisienne! Ouais! Ça y est, maintenant, il faut rassembler, hein. C'est Ikea, ici. Ah bah alors, elle est où, la petite clé? Tu sais, la Allen Key, là? Elle est où, la petite clé? Elle est toujours de... Ah, moi, je me demande bien, c'est qui, ce Allen? Ouais, il a une clé qui s'appelle Allen Key. Il a une clé à son nom, et on n'est pas foutu de savoir c'est qui, hein. C'est comme la Bayonne, elle est... Et puis, s'il ressemble à sa clé, ben, veut dire, elle est vachement laid. Ah, j'avais tu vois un mec qui se promène comme ça? Et qu'il a une fa... tu sais, c'est hexagonal, une Allen Key. Eh ben voilà, hein. Eh ben voilà. Ouais, ben cela dit, moi j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'on que tu fais, parlé. Tu coupes le jambon, hein? Je coupe le jambon avec ma main. Il y a la qualité du match et la qualité de votre dernier vote, s'il vous plaît, ensemble. Merci. Point et match, Caron. Eh bien, ça s'est joué in extremis en prolongation. Sophie Caron qui gagne cette demi-finale et qui s'en va jouer le grand match en finale. Bravo, les filles. Bravo, Salomé. Bravo, Sophie. Merci beaucoup pour votre jeu, vos personnages, votre écriture. Salomé, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose à partir de l'improvisation à la manière des mille et une nuits, des contes des mille et une nuits. J'ai l'impression que tu as pris ton envol, tu as rattrapé jusqu'à la fin, tu as presque gagné ce match. Est-ce que tu as la même impression qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là? Ben oui, mais ça fait deux fois que ça m'arrive. On dirait que je suis un petit peu lente à starter. Ça doit être les hormones de grossesse. Je finis par embarquer, là. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi à ce moment-là? Ben, je savais que dans un conte de mille et une nuits, j'avais la face de l'emploi. Fait que ça m'a comme ça, oui, je trouvais que j'ai l'air de Scheherazade sur l'acide des fois, non? Sophie, t'as mené tout le long du match. Est-ce que t'as eu peur à un certain moment parce que Salomé se rapprochait de plus en plus? Hey, moi je vais te dire, tu sais, ça fait, on jouera pas au niaiseux là. Ça fait longtemps qu'on fait de l'impro. À un moment donné, quand tu mènes, je sais plus combien, tu sais, par un écart, tu dis ça va revenir, ça va revenir. Elle va faire des points, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr, parce qu'elle a fait comme hey, là, je me laisserai pas faire. Tu comprends? Ben, je comprends très bien. Mais as-tu droppé les gants, y'a qu'un peu? Ben voilà. Paf, les mille et une nuits, je voyais plus rien, j'ai vu des étoiles. Là, le temps de me remettre de ça. Mais tu sais, tout se joue dans la dernière impro. T'as très bien joué, Sophie. Hey, merci, François. Merci beaucoup, Salomé aussi. On va revoir Sophie Caron en grande finale de ce tournoi. Merci à toutes les deux. C'était Salomé Corbeau et Sophie Caron. Yvan, ce soir, on était en présence de deux grandes joueuses qui ont su surmonter le stress de la demi-finale. Quel est, à tes yeux, le plus grand talent de ces joueuses-là? Ah, mais ma foi, c'est l'écriture. Vous en avez parlé, elles-mêmes en ont parlé, elles en sont conscientes. Elles connaissent toutes les règles de l'écriture dramatique. C'est là que ça commence. Tous ceux qui font de l'improvisation devraient voir et revoir ce match plusieurs fois. Il y a là des règles. Le plus grand exemple pour moi, c'est cette improvisation de bonne humeur, où là, la tendance aurait pu être d'avoir deux personnes de bonne humeur, mais dramatiquement, il ne serait rien passé. Mm-hmm. Et là, on a vu la joueuse Caron qui, elle, était franchement pas de bonne humeur. Ça a donné une grande improvisation parce que là, on a eu un clash. Et ça me rappelle au tout début de l'improvisation, il y a de ça longtemps. Les joueurs ne connaissaient pas les règles de l'écriture. Ça se faisait par tâtonnement. Mais maintenant, ces grands joueurs-là possèdent le sens dramatique d'une façon incroyable. Yvan, merci beaucoup encore une fois. Je vous laisse aller vous reposer. Merci beaucoup. Et je vous invite, vous, à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci beaucoup. Au revoir.